été filmé. Là. Qui est la poétesse, la deuxième poétesse la plus connue en Ukraine et qui a vécu à la fin du 19e siècle. Elle était très très cultivée et elle a une vie très intense. Elle traduisait des poètes romantiques, elle écrivait beaucoup de poésie et elle a été, sa vie a été très courte puisqu'elle est morte de la tuberculose. Mais l'un de ses poèmes évoque une envie de liberté, de s'envoler comme un papillon. Et je vais rajouter des symboles qui sont propres à l'Ukraine, comme une couronne de coquelicots, qui font partie des objets typiques que les jeunes femmes portent les jours de cérémonie et lors des moments de fête. Et les coquelicots ont un symbole très spécial pour l'Ukraine, puisqu'ils représentent le sang et les combattants qui ont combattu pour la liberté et l'émancipation de l'Ukraine. Souvent, les jeunes femmes attachent ces couronnes à l'aide de rubans, donc ces rubans vont voler au vent dans la nuit, et je vais choisir des rubans de couleur rouge qui représentent, je vais sur le coup note, la magie, le chagrin, et qui sont seulement portés quand on a des couronnes de coquelicots, ainsi que des rubans jaunes et bleus qui représentent l'Ukraine, donc le ciel bleu sur fond de champs de blé doré, le drapeau de l'Ukraine. Et je pense que je mettrai aussi des rubans blancs pour rappeler les rubans rouges parce que j'aime bien la Pologne aussi. J'ai des origines polonaises, donc je vais mettre les deux côte à côte. La culture est assez proche pour les deux. Et au début, je voulais faire un collier de perles rouges, mais je ne suis pas sûre que je veux le garder. Ça va peut-être faire trop long. Je vais réfléchir en deux jours pour savoir si oui ou non je vous mets un collier de perles. Et elle vole au vent dans un ciel qui aura des étoiles avec une mer agitée, comme évoqué dans son poème. Et voilà. Non, on a bien sûr le tapis.
vous ne trouvez pas le chemisier. Il va falloir que vous rencontriez l'artiste pour avoir ça dans votre chambre. Plus la carpelle, plus le chemisier. Mais c'est toi, je pense que peut-être il faut le texte. Alors en fait, il a écrit le texte. Oui. Ah. Et il a encore écrit le texte, écrit toujours le texte. Le texte a été écrit plein de fois, jusqu'à ce qu'il devienne que des tâches. Ce sont des lettres en fait.